Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Bon, mais aujourd'hui, c'est le vlog du confinement. Donc, il fait beau. On a l'avantage d'avoir une terrasse. Alors après, moi, j'ai une grosse pensée pour ceux qui n'ont pas malheureusement de terrasse pendant cette période de confinement. Donc, je suis tout cœur avec vous. Aujourd'hui, en fait, ça va être une vidéo un petit peu pour vous positiver, pour en profiter vraiment avec ce beau panorama pour essayer de vous motiver. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma vie et tout ça. J'ai eu une petite remarque récemment. J'ai voulu faire une vidéo sympa pour essayer de prévenir les gens par rapport aux attestations de déplacement là, qui circulaient en ligne et tout ça, parce que mon voisin m'avait bien expliqué que il fallait faire très très gaffe avec les attestations de déplacement en ligne où on mettait nos données. Donc j'ai voulu faire une vidéo, je partais juste faire 2-3 cours, j'avais mon attestation dans la poche, j'avais personne et je me suis filmé comme ça dans la rue et bien sûr j'ai eu le droit à une réflexion en commentaire du style protège-toi en protégeant les autres. Donc en clair ça voulait dire évite de sortir, reste chez toi. Enfin non, je suis juste allé faire 2-3 courses en fait, juste pour, voilà, sans, j'ai pas de masque, j'ai pas de gants, mais bien sûr parce qu'il n'y en a pas. Et surtout qu'il n'y avait aucun risque puisqu'il n'y avait personne dans la rue à ce moment-là. Donc du moins s'il y avait une personne, j'ai vraiment évité, je me suis mis sur un autre trottoir. Voilà, donc ça m'a un peu refroidi, donc j'ai supprimé la vidéo. Donc bref, ça c'était juste une aparté. Donc je préfère vous faire une vidéo dans ma cour, comme ça il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, moi, en fait, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous positiver, pour vous motiver, parce que ben, pendant cette période, c'est compliqué. Et mis à part regarder du Netflix, quand on n'a pas de terrasse ou autre, ben, on n'a pas trop de choses pour, sur lesquelles se baser pour s'occuper ou autre. Ben, moi, j'avais envie de vous dire que c'est peut-être la meilleure période, la plus propice peut-être pour arrêter de fumer. Donc j'ai fait un live hier qui a été un peu laborieux, mais j'avais envie de vous faire une vidéo sur ma chaîne YouTube et vous la partager pour justement vous inciter à arrêter de fumer. Alors comment? Ben alors moi j'avais envie de vous parler de ça. Ça fait quand même plus de 6 mois que j'ai arrêté définitivement la cigarette. Je n'ai pas retouché une seule cigarette, que ce soit cigarette électronique ou cigarette normale. J'en suis tellement fier parce que j'ai arrêté vraiment comme ça net. Je fumais vraiment les deux. À part, on va dire, je fumais soit de la cigarette électronique, soit la cigarette normale, soit les deux en même temps. Et puis du jour au lendemain, je me suis mis à regarder un film, enfin un film. Je me suis écouté un livre audio en fait sur. C'est un pote qui m'avait proposé ce bouquin, qui est en livre physique aussi, qui est La méthode simple pour arrêter de fumer d'Alan Kerr. Et comme je suis abonné à la plateforme Audible de Amazon, en fait, je paye 9,99€ par mois pour avoir un livre audio gratuit tous les mois. Ben, je me suis écouté ce bouquin en me disant, ben, si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, tant pis. Eh ben, écoutez, j'ai même pas terminé le livre. Il me restait une heure que j'ai arrêté définitivement de fumer. Alors après, voilà, dans ce livre, on vous dit bien de ne pas commencer à arrêter de fumer tout de suite en lisant le livre. Vous arrêtez petit à petit, voire même à la fin du livre. Mais j'ai juste en fait à vous conseiller, je vous mets un lien dans la description, mais d'acheter ce bouquin La méthode simple pour arrêter de fumer en livre papier. Mais bon, comme ça va être compliqué de se procurer aujourd'hui de livres papier, ben, quoi de mieux que d'écouter un livre audio, il dure 5 heures en plus. Écouter un livre audio pour arrêter de fumer et faire la plus belle chose que vous ayez pu faire pendant ce confinement, qui est d'arrêter de fumer. Alors je peux entendre qu'il y ait beaucoup de stress, qu'il y ait beaucoup d'anxiété. Aujourd'hui, le monde ne tourne plus à plein régime, il n'y a plus de stress à avoir puisqu'on est confiné et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, mis à part, attention, je dis bien mis à part pour le personnel soignant, la police, les pompiers, les personnes qui doivent aller travailler. Pour vous, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure période pour le faire, mais si vous avez la possibilité de le faire, comme moi par exemple, j'ai eu la possibilité de le faire, faites-le. Alors, pour vous expliquer un petit peu, et après je couperai sur cette vidéo, j'en ferai d'autres, je pense, des vlogs du confinement. Parce que je trouve ça fascinant de pouvoir vous motiver comme ça en vidéo. Je vous mets dans la description du coup un lien d'inscription sur la plateforme Audible. Alors c'est simple, cette plateforme Audible, elle est payante à l'origine. Là, l'avantage, c'est que grâce à ce lien, vous avez 30 jours gratuits. Oups, alors bon, petite correction en fin de compte, ce n'est pas une version d'essai de 30 jours, c'est bien un livre audio offert, donc je me suis un petit peu trompé, donc je vous remets la suite de la vidéo, voilà, mais j'espère que ça vous plaît. Vous avez une offre d'essai de 30 jours, c'est-à-dire que pendant ces 30 jours, vous ne payerez pas, par contre, vous avez un livre offert.
Je dirais pour 30 jours un livre offert. Alors je faudrait vérifier si le livre il est offert à vie ou s'il est offert que pendant ces 30 jours. Mais déjà, si vous prenez ce bouquin là pendant 30 jours sans payer ni rien et que vous pouvez arrêter de fumer, j'ai envie de dire vous avez fait peut-être le plus gros du travail. Déjà vous avez économisé, vous pourrez acheter peut-être Audible pour avoir plein d'autres bouquins. Donc je vous inciterai à aller directement dans le lien pour aller vous inscrire. Et de commencer ça et de mettre en commentaire est-ce que ça vous a servi, est-ce que ça va vous servir, est-ce que vous êtes motivé pour le faire. Parce que franchement, je vous le dis, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, faites-moi confiance, j'ai arrêté de fumer par ce bouquin. Donc si je peux vous inciter à le faire, faites-le. Donc voilà, c'était juste un petit vlog tranquille, un petit vlog du confinement. Je vais vous en faire plein d'autres, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour essayer de vous booster, vous donner des petits tips pour être bi-positive, pour être plus positif. Donc c'est juste ça en fait, le mot c'est soyez positif, be positif. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à la prochaine, bye!